Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Je me suis bâti toute la nuit, tu me béniras avant que tu t'en ailles. Et puis l'ange l'a béni. Mais quand tu te bats contre Dieu, quand bien même Dieu te dit que tu t'es bâti contre Dieu et contre les hommes, tu as vaincu. Mais Dieu te laisse avec des cassures. Beaucoup de gens dans cette maison, leur bataille, ce n'est pas des hommes, ce n'est même pas des démons, leur bataille, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous ne discernez pas, vous vous battez contre qui? Vous ne mettez pas en place de bonnes stratégies. C'est ça le problème du terrorisme. C'est comme un ennemi invisible. Ce n'est pas une guerre déclarée. On ne peut pas évaluer la force. On dit, bon, ok, c'est la Turquie qui demande, qui déclare la guerre contre la France. Nous connaissons l'armement turque, nous connaissons les sa tête. Non, non, non. C'est une guerre invisible. Il y a une autre bataille dans la destinée, les batailles contre Dieu. Ce sont des batailles dangereuses. Si tu sors vivant de là, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose d'autre. Les batailles contre Dieu, là c'est Dieu qui s'oppose à toi. C'est Dieu lui-même, parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Mais il regarde ta vie, il y a des choses qu'il doit tailler lui-même. Oh mon Dieu, Jacob s'est bâti contre Dieu toute la nuit. Je reviendrai la semaine. Et beaucoup de gens comprendront que le diable n'a rien à voir à ce qui leur arrive. Les hommes n'ont rien à voir. Leur ennemi, ou du moins leur adversaire, pour ne pas dire ennemi, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu vous résiste, la Bible dit, oh mon Dieu, il résiste aux orgueillis, il fait grâce aux humbles. Quand tu te bats avec Dieu, la chose à faire, c'est de tomber par terre, demander chaos. Abandon. Plus tu résistes, plus... À l'église, il y a une dose d'orgueil qui m'étonne. Même dans le monde, on ne trouve pas ça. Savez-vous pourquoi? Parce que le pouvoir spirituel est plus dangereux que tout autre pouvoir. À l'église, les gens sont